Et bonjour à tous, Sigo, pour la suite de notre let's play sur la Russie de Tsaris. Merci pour le nom, c'est beaucoup. Alors voilà. Voilà, ça commence à être les lois sur les céréales. C'est pas mal les lois sur les céréales qui viennent de pop. Ça va me permettre d'avoir éventuellement un meilleur gars d'assemblage. Oh yes. Alors, je possède l'entièreté de la Juse. Moyenne. Donc, d'après ce journal. Journal. Exactement 100% des gens. 0% est un sujet de type fantoche, de désir de liberté de plus de 25. Alors, vous êtes tous des sujets de type fantoche, mais votre désir de liberté n'est pas de 25. Il faut donc que je réduise juste ça. Alors, la grand juste a une grosse dépendance économique envers moi. Et mon infamie. Ah putain, merde, mon infamie. Ah, l'infamie, ça va pas m'aider. Ah, l'infamie, ça m'est mal. En raison de politique des groupes d'intérêt du lobby, en raison de dépendance économique, il faut que j'augmente encore la dépendance économique, parce qu'en 3 ans, est-ce que je vais réussir? En 3 ans, est-ce que je vais réussir? Je sais pas. En tout cas, la cohésion est bonne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le gouvernorat Bald. Pourquoi le gouvernorat Bald a autant? Il m'aime pas? Je vais peut-être augmenter les relations avec le gouvernorat Bald. Non, c'est déjà le cas. Bon. Bien grave. Il me faut donc... Ok. Je pense qu'il faut que j'investisse à mort dans la petite juse. La grande juse, ça devrait le faire. 0,53, ça devrait le faire. Par contre, elle, 0,29, c'est pas assez. Est-ce que je suis déjà en train d'investir à mort sur elle. Tout le fric que je mets dans ces populations qui ne me le rendent pas, c'est insupportable. Je vais peut-être augmenter un petit peu ça aussi. Allez, 5 de plus en Samara, c'est cadeau. Ça va me coûter un peu cher, mais ça devrait m'aider. Ok, ceux qui s'attaquent à moi, en vrai, je les laisse s'attaquer à moi. Ok, renforcer l'influence sur la Perse, pacifier la steppe, c'est en cours, sécuriser la frontière persane, ça c'est la guerre du Caucase, et sécuriser le protectorat afghan, ça sera pour autre chose. Ah, voilà. Une inspiration pour notre époque, un personnage apparaît en Russie. Une nouvelle personnalité a émergé au sein des assemblées, construisant ce qu'on fait sur le programme portugais de l'abolition des lois sur le céréal. Donc c'est lui qu'il faut que je chope. Une inspiration pour votre époque. Voilà, un militant apparaît, c'est ça qu'il me fallait. Parfait. Alors normalement, j'ai débloqué ici. Voilà, toi. Tu vas voir la direction. Hop là. Et normalement, maintenant, j'ai... Oui ! Allez hop, c'est parti. Le servage, ça dégage. Homestead Act instantanément. C'est parti. Alors, avancement 47, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter les chances que ça passe? Le truc, c'est que ma légitimité, là, elle est un peu... Elle est pas au tip-top, donc ça va prendre du temps. Hello, ouchacha. Il faut vraiment que j'augmente la dépendance économique. Toi, la grande juge, ça devrait le faire, en fait. 0,46 par semaine... Seulement il y a moyen d'augmenter ça. Ok, je suis en train de passer une très très bonne loi là. Ah. Je sais pas trop qui est en train de gagner, mais je considère que c'est moi. J'ai pas mal d'impôts non perçus. Ça me fait chier. J'aimerais bien savoir qui... Oh, tout là. Où t'es tout là? Ok, doucement. J'aimerais juste vérifier tout là. Ah ouais, 74%. Ah oui, quand même. Peut-être légèrement augmenté. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et les mettre ouais, en priorité. Non, vous, c'est la priorité en fait.
Allez, allez, allez. Ils ont une attitude rebelle, c'est insupportable. Je peux pas améliorer. Non, qu'est-ce que je peux faire avec vous? Une alliance? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Non, je préfère que tu t'entendes avec moi. Toutes les interactions que je peux faire, parce que ça, ça augmente leur désir de liberté. C'est pas ça que je veux. Ça aussi, ça augmente leur désir de liberté. C'est pas non plus ça que je veux. Donc en fait, j'ai pas de choix. Je peux pas augmenter encore leur désir de liberté. Ok, bah c'est con ça du coup, parce que finalement, l'agriculture intensive, j'en ai plus besoin. Je pensais pas que j'aurais la loi sur les grains seul. Ça m'arrange beaucoup. C'est là, le fait d'avoir un libéral aussi tôt. Des mains pour préserver... Oh oui, oui, ça dégage toi. Embargo. Moi qui attendais qu'on me le demande. Que j'embargo tâte la Grande-Bretagne. Ok, donc ça veut dire que vous êtes encore plus heureux. Est-ce que vous me donnez des bonus en fait? Au politique du Libye. 44,9. Du Libye. Ok, la guerre est finie, mais j'ai quand même des petits pactes diplomatiques encore. Ça, marrant. Verver servage, ça j'en veux pas. Est-ce que je peux les réprimer? Ah non, il faut 200 d'autorité. Par contre, l'élite intellectuelle est contente, la vache. Est-ce qu'il y a moyen par d'augmenter? Non. Dommage aussi. Eh, faire des gouvernements administratifs, ça me rapporte un peu de fric. Est-ce que toi, t'es encore plus dépendant de moi au niveau économique? Ouais. Est-ce que j'aurai le temps? Non, 28 mois, c'est 2 ans encore. C'est trop peu. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Vas-y, je vais rajouter tout ce que je peux. Oh, l'opium! Oh, le bois! Non, en vrai, ce territoire est pas mal, mais il n'y a pas assez de gens qui bossent pour en faire quelque chose. Là, il y a des demandeurs d'emploi. Donc, à mon avis, je vais y foutre la masse. C'est derrière de la petite juse. Là aussi, il y a des demandeurs d'emploi, donc je vais rajouter un petit peu. Un petit peu, dit-il, en rajoutant 10. Yes. Oh, yes, plus d'influence. Yes. C'est... Enfin, l'influence est devenue quelque chose d'important par rapport notamment au... au sujet. Ça, c'est cool. Allez, toi, la grande juge, ça devrait être bientôt bon. Moins 0,33. J'ai beau soutenir le régime, faire tout... Ah merde! Non, je suis obligé de garder ça malheureusement. Non, ça va pas augmenter. Ça affectera les états de la patrie en valant davantage. Non. Si je lui donne le contrôle de son propre marché, ça va être la merde. Ah ouais! Son indépendance économique augmente. Mais le partage des connaissances et tout, ça me sert juste à... Il faudrait que je réduise mon infamie. C'est à combien que l'infamie devient? Ah, mais... Nikolai Romanov, pourquoi? Ah, putain, tiens, il est imposant. Si j'arrivais à régler ce problème d'infamie, je serais pas mal. Parce qu'avec tout ce que je construis, quand même, ça... Ouais, ouais, ça augmente l'indépendance économique. Enfin, la dépendance économique, je veux dire. Ok, la grande juge, c'est bon, normalement. Manifeste étranger, notre lutte internationale, oui ça va. Une bonne presse. Ah. Merde.
Ah, tu... merde, j'ai pas regardé ce qu'il y a d'autre. Alors, que se passe-t-il? Donc, c'est l'Autriche qui a des révoltes. Ok, et ils sont confiants. Est-ce que tu peux... Ah. Monténégro autrichien. Ça, là? Je sais pas si j'ai un intérêt là-dedans. J'aurais aimé autre chose. Genre des sous. Bonjour Chrysotep, pardon, je t'avais pas vu. Ouais, ça va, bienvenue à toi sur le live. Non, pas besoin de me lancer là-dedans. Ok, par contre, ça c'est quoi ça? La Prusse a un soulèvement autrichien? Ah oui, parce qu'il doit y avoir des gens de la culture autrichienne. Ah! Sympa cet 1.7, incroyable cet 1.7. Un des meilleurs. Certainement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Quoi, 30%? Quoi? C'est à cause des révoltés, putain. Certainement la meilleure mise à jour qu'on ait eue dans le jeu depuis un certain temps là. Alors, soit j'augmente la construction, soit je peux rajouter un principe. Sachant que si j'augmente la construction, ça me rajoute. Moins d'utilisation d'infrastructures des bâtiments du secteur de construction, ce qui est très très bien. Ce qui est vraiment très très bien. Soit je prends ça, soit je commence à demander de l'immigration. Et je pense que pour l'instant je suis bien. Du coup, en soi, utiliser moins d'infrastructures des bâtiments, ça me paraît vraiment bien. Même pour les autres pays. J'en suis à combien? La pacification de la steppe 22 mois. Oh. Alors, c'est quoi ça? Non, ça personne ne voudra de moi. C'est la phase d'adoption. Oui, par contre, j'ai débloqué des outils, moi. Voilà, on va faire un petit peu plus de ça. TG. Tu fais. Obéissant. Outils en fer forgé, l'acier, c'est pas pour tout de suite. Là, le procédé par sulfite. Je pense que j'ai pas encore assez de sulfite chez moi pour faire ça. Toi, je veux que tu fasses des pommerais. Je veux des fruits. Élevage de bétail, on va être sur... sur ça. Je pense que c'est mieux. Les plantations de coton, d'opium, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Allez, allez, la dépendance économique, allez. 0,47 à faire descendre, là. Dépendance 4,4, c'est-à-dire quoi 3,1 de 60% détenu par la Russie. 1% de produit intérieur de la petite jus et la Russie. Une révolution. Sérieux les gars. Mais du coup, le fait d'avoir fait ça sur la construction, je pense que je peux enlever certains décrets d'entretien des routes. Et du coup, vous là, on va vous réprimer un peu. Voilà. Couverture en couverture. Après, est-ce que... Ah! Je peux peut-être éventuellement... retirer ma rivalité avec les États-Unis. Merde, j'ai arrêté de construire. Ouais, j'ai... vachement construit chez eux. Est-ce que ça m'aide? Ah, 18 mois, j'ai vraiment l'impression que je vais pas y arriver. 0,34. L'infamie, putain, l'infamie, ça me fait mal, l'infamie. Et si j'accorde l'indépendance, ça va pas marcher non plus. Vu que j'aurai une trêve de 60 mois.
Ben, le problème, c'est que Sirdaria, ça fait partie des régions qu'il faut que je contrôle, je crois. Attends, vérifions. Vérifions, vérifions à coup, là. Vérifions. Parce que ça peut peut-être... Pacification. Alors, Samara, je la possède en entier. Et Chelabinks, je la possède aussi en entier. Si je lui donne Sirdaria... Je vais faire un test. Désolé, je fais un test, parce que en vrai, c'est parfois pas clair. Ok, et maintenant, toi, petite juge, je vais accorder un état. Sélectionner, on va prendre Sirdaria. 10 minutes de désir de liberté de 13. Ouh, ça, ça met bien ça. Ça met bien, mais 0,16, c'est beaucoup trop. Par contre, ça veut dire que je peux construire à balle par là. Est-ce que je peux lui donner un autre état? Ok, bon, ça, ça a marché. Est-ce que je peux lui donner un autre état, par contre? En vrai. Transférer des états. Est-ce que j'ai un autre état? L'état de la petite juge. Actubé. Attends. Sirdaria, c'est... Je lui ai déjà donné Sirdaria. Ah non, c'est elle qui me... Oh non, réinitialisé. Etarus, voilà. Faut que je trouve un état qui me pose pas de problème. Genre ça, Semirichi. Qui veut Semirichi? Ça me sert à rien, Semirichi. Je vais attendre. Je vais attendre. 16 mois, j'ai encore le temps avant de vouloir lui donner Semirichi. Et 28, ça va. 28, il faut que j'enlève 3. Alors, on va faire le calcul. À raison de 0,15 pour arriver jusqu'à... Oh, déjà, je suis à 27. Il faut que j'enlève 20. Donc, oh, c'est comme 15 divisé par 2000. C'est insupportable de devoir compter ça. J'ai un peu la flemme de faire les maths, là. Mais du coup, si je fais 2, ça fait 3, ça fait 6. Donc, il faut une douzaine de mois. Une douzaine de semaines, pardon. Ça peut le faire. Ça peut le faire en vrai. En plus, je suis encore en train de construire chez eux. J'augmente peut-être encore l'indépendance économique. En vrai, ça peut le faire. Pourquoi c'est autant galère? Est-ce que je pourrais pas... Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Non. J'avais un militant qui était... Pourquoi qu'il m'a changé, l'enfoiré? Ah, ah, j'avais un libéral là, qu'est-ce que tu fous? Non, j'avais un libéral. Quoi, il a changé? Oh yes! Ok, pacification de la steppe, c'est fait. Yes. Ok, les steppes silencieuses, c'est fait. Ok, j'ai droit à des revendications. Yes, c'est passé, putain, c'est passé. Soit consolider nos acquis, mais j'aime bien le fait d'avoir des revendications. Et du coup, j'annexe ces deux pays. Voilà. Ok, ça j'ai réussi. Par contre, j'ai l'impression... Oula. Marche encore ou c'est cassé? Ah, c'est cassé parce que je les ai récupérés. Ouais, parce que c'était considéré comme un pays. Ça. C'était considéré comme un pays, mais j'ai l'impression que ça me coûte toujours des sous par contre. C'est ça qui est un peu chiant. Ok, c'est bon, ça me coûte plus d'argent.
Ok, ça me coûte plus d'argent. Donc, diplomatie, c'est bon, ils sont... Quoi? Je vais me permettre de t'intégrer. Toi, je pourrais être annexé, mais pourquoi ça me donnerait de l'infamie? C'est quand même pas sympa. Dès que j'aurai plus d'infamie, ça sera déjà beaucoup mieux. Et du coup, j'ai des sous. Oh, yes. La Perse qui me donne des sous. La Prusse qui me donne des sous. Et surtout la Prusse, putain. Ah, sérieux, mais pourquoi j'ai un... Mon libéral, il s'est fait remplacer. Bon, il faut que je continue à construire des infrastructures. Enfin, pas des infrastructures, mais des trucs de... Voilà. Quoique, si je faisais des universités un peu, je voulais faire des universités en Novgorod. Ici. J'en fais 5. Ouais. Parce que je crois qu'en Novgorod, notamment, je fais du papier. Ouais, voilà. On va faire un petit peu plus de papier. Faut vraiment que j'arrive à promulguer cette loi. Je peux pas l'exiler, lui. Lui, il est royaliste. Il a problème monarchique. Ok, on va faire un truc très vite. Ok, tac. Non, tac. Dis. Ah, merde. Quoi? Mais. Putain, encore un royaliste. Oh. Et c'est ici, entre le Portugal et la Compagnie des Indes britanniques. Oh, c'est chiant, en plus c'est critique. Oh, yes. Ok, par contre c'est passé, mais ça veut pas dire que mon gouvernement, là, il va pas genre essayer de me détruire la gueule. Par contre, je peux faire ça. Ce qui fait qu'ils seront moins radicaux. Je pense que c'est mon meilleur move actuellement, avant d'essayer de passer à autre chose. Et si j'essaie ça maintenant, je vais me faire radicaliser. Ok. On va faire force de police spécialisée. Je pense que là, j'ai pas trop le choix. Perdre du fric, mais au moins ça va... Ça va les rendre moins colériques. Alors, j'ai réussi à produire des universités... Ils sont en train de se staffer. On va, à mon avis... Ouais, ça, c'est un peu chiant, ça. Mais je devrais peut-être regarder également ailleurs ce que j'ai. Genre, qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher? Le café. Très bien. Les vêtements. Et l'opium. Non, opium. Les infrastructures, elles sont nulles. En Perse, par contre, l'opium, papa. On va construire un petit peu d'opium en Perse.
Et je pense que je vais me rajouter quelques petits trucs de construction. Allez, on va foutre ça en Nijni Novgorod. Et dans le même temps, il faudrait que je me rajoute du fer, je ne sais où. En Nijni Novgorod. Excellent. Et le bois. Est-ce que j'en fous aussi en Nijni Novgorod? En Nijni Novgorod. Allez. Et je vais mettre ça, à mon avis, en priorité. Alors, l'or épuisé, je vais en refaire du coup. Ok, j'ai réussi à faire les steppes, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je m'occupe du reste. Alors, renforcer l'influence sur la Perse, ça c'est bon. La Perse va devenir... Ah non, la Perse du coup ne sera pas reconnue. C'est vrai. Échec si la Perse devenait reconnue. Donc ça c'est bon, avec la Perse je domine complètement. Le Grand-Duché de Finlande y mène bien, la Perse elle mène bien. Elle n'est pas encore fantoche, mais... Ça ne saurait tarder... Ça, parfait ça. Alors. Alors du coup, établir maintenant... Oui, mais du coup... du coup, la Perse. Est-ce que je pourrais avoir mes plus 25 là? Il faut que je fasse la guerre du Caucase. Là, il me manque... Pardon. Est-ce qu'il y a de la guerre du Caucase? Il me faut du rainurage de la logistique. Je suis en train de faire la logistique. Le rainurage va suivre. Diffusion de technologie, t'es sur quoi? Banque centrale, verre en cristal et état-major. Ok, la loi sur les céréales, est-ce que ça veut dire que je vais avoir un mec qui va venir? Allez, je dois bien avoir un militant là. Oh. Un peu chiant ça. Sur quoi je peux avancer? J'aimerais bien que la Perse elle devienne fantoche. Comme ça, je peux un peu m'attaquer au reste. Je leur demander à ce que le Kokand, par exemple, au hasard, devienne un protectorat. 8 d'infamie. Hein. Après, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui veut s'attaquer à moi. Hein. Au camp, une armée de 20, je vais mettre ça. Non plus, hein. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, non, ça dégage. Ça, j'en ai pas besoin, ça. Hop, ça non plus. Ok, je vais peut-être mettre ça en priorité aussi. L'or, c'est bien. Ok, mon économie, ça va. Le fait que j'ai dégagé le servage, ça m'arrange beaucoup. Là, par contre, ça va faire mal d'un coup au cul. Ça, j'aimerais bien sortir du traditionnalisme. Et vas-y, là, ça va être compliqué. Vraiment que je retombe sur un libéral. Au moins, ils perdent un peu. Hein. Au moins. L'église orthodoxe, elle est toujours puissante, la vache. Au moins, le reste, attractivité migratoire, impôt sur revenu de l'agriculture... Bien. Bon, les putains de raids en Circassie et tout là, dès que j'ai la technologie, ça va leur tomber dessus. Comme jamais. Alors, est-ce que la Perse, j'ai un peu toujours. Ah, ils ont quand même une dépendance avec moi. Est-ce que je diminue ses paiements? Tiens, je vais faire ça. Et je vais faire ça, histoire de... Histoire que vraiment... Vraiment!
Ok, logistique, c'est déverrouillé. Normalement, avec les exemptions de service et le fait que je t'ai mis moins de sous, normalement, tu devrais être plus heureux aussi. Ok, ça va prendre du temps, mais la perche, je vais pouvoir la fantocher. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qui es-tu? C'est le royaume céleste. Ah! Ah! Qui veut annexer la Chine? Ah, intéressant. Et ça, c'est toujours l'Égypte contre le putain d'Empire ottoman. Ok, ça y est, ça c'est le trou de la sécurité. Alors, il va falloir que je construise des administrations gouvernementales. Oh, on va en faire un peu ici. Attends, qui ne paie absolument pas d'impôts? Bah tiens, Yaroslav, Tula et Kiev. Or épuisé en Bouriatim. Non. Regarde. Entrez là. Or épuisé. Hop, appui d'or épuisé. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Ok, par contre, j'ai pas du tout. Regardez. L'unification des éléments. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la Chine est très confiante et lui, il est confiant. Qui veut mon soutien? Tibet, Joséon ou Langfang? Langfang, c'est ok, nul. Joséon, c'est la Corée, ça? Ouais, la Corée. Ah, je pourrais peut-être récupérer la Corée. Ou le Tibet, du coup. C'est un gros truc, mais j'ai peur que le Tibet, du coup, soit totalement isolé de moi, alors que ça, au moins, il y a un accès à la mer. Prendre Joséon. Ça me donnait 40 d'infamie. Ouais, non, je peux pas. Là. Infamie, c'est trop. Par contre, il me semble que maintenant j'ai des. J'ai de quoi annexer le sujet. Quel sujet? Gouverneur Rabat. Non, non, non. Je peux demander à ce qu'on me restitue l'État. Ouzbékistan, Sakhaline, Turkménistan qui vient. J'aimerais bien avoir une liste de mes caisses subélites. Ouais, ça va être tout ça, hein. En vrai, ça va être ça, mais... C'est là où j'ai des... Est-ce que ça fait combien, ça? Hein, 0,9 d'infamie, Sakhaline. Mais Sakhaline, c'est là-haut. J'affronte qui? C'est où, Korasmi? C'est là, Korasmi? Proche de chez moi, ça? Ah, qui va, oui, toi, tu pourrais me rendre. Tu pourrais me rendre pas mal de choses, tiens. Rends-moi correspond. Non, attends. Restituer. 5,6. 1,7. Je vais revérifier un peu tout ce que ça me coûte. Exigence, restituer l'État. Sakhaline, ça me coûte pas cher, 0,9. 5,6 pour la Korasmi. Ouzbékistan, 6. Tadjikistan, Boukhara, 2,7. Et ça. Le Turkménistan. Faut que je récupère de toute façon qui va. Ah ouais, je vais leur demander de me rendre des trucs. Exigence diplomatique. Non, exigence diplomatique envers restituer l'état de Korasmi. Ok, bah ils sont pas d'accord, ça me surprend pas trop. Par contre, mon vieux, hein, restituer l'état, tu vas me restituer tous les états. J'aimerais juste voir qu'est-ce qui correspond à quoi. Korasmi, c'est ça. Turkménistan, c'est ça. Donc, de Kiva, il resterait que ce micro-bout, en fait.
Après, il resterait que le micro-bout de Kiva qui est là. Du coup, je pourrais choper Bukhara et tout. Ouais, j'ai accès à Bukhara. Et... ouais, c'est le petit Turkménistan qui vient que je récupère. Ça me fait quoi? C'est de la manœuvre. Ah, ça me donnera un d'infamie en plus. J'aimerais éviter. Après, ils sont inquiets. Allez, donne-moi ça. Et tant que j'y suis, créer un protectorat de Kiev. Ok, on n'est pas trop mal. Ah, vous êtes déjà mobilisé, mais qu'est-ce que vous... hein? Ah oui, ok. Attends, par contre, pourquoi Kokand vient m'emmerder? Ah, mais j'étais déjà en guerre avec Kokand. Par contre, oui, je suis con, moi. Attends, mais je suis pas débile. Je crois que je suis débile. Attends, il est où mon général? Putain, je lui ai pas dit d'attaquer. Bah oui, forcément, il y a peu de chances que j'avance si j'attaque Po. D'ailleurs, même le second, là. Toi. Avancez. Ah bah oui, forcément, tout de suite, quand j'attaque. Ah bah oui, je suis con. Ah oui, je suis con. Ah oui, oui, oui. Ah, attends, la Perse... ah, la Perse. La Perse a encore un petit... ça, c'est qui? Ça, c'est Kaboul. Et ça, c'est Kandahar. Kaboul et Kandahar, arrête pas de se foutre sur la gueule. Ok, qui est le plus puissant des deux? Aucun des deux n'est puissant. Est-ce que je peux envoyer des hommes là-bas ou pas du tout? Ok, c'est pour ça à mon avis qu'il faut que je dise à la Perse. Ah, 3 mai 1849. Ah, connerie. Kandahar soutient la Grande-Bretagne. Alors toi... ça aurait pas tardé normalement, Cocorne. Ok. Après, si eux ils gagnent, je m'en fais pas trop. Oui, ça, j'avance. Sans trop de difficultés. Toi, restituer Korasmi, restituer Korasmi et qui va souffler. Qui devrait augmenter mon bloc. Même si ce sont des noms. Putain, mais l'Angleterre, par contre, elle peut directement participer ici. Ça. Non, je peux pas y accéder. Aïe, 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 aïe. Et ça, ça diminue, hein. Et comment là, force armée? Oh, ça, ils sont loyaux. Cocande sous protectorat, voilà. Voilà, Cocande sous protectorat. Ouais, tu peux essayer d'en finir avec eux. Oh, on est pas trop mal là. Bon, cette guerre est un peu foutue, je peux pas rejoindre Kandahar. Ah, d'être bloqué. Ok, bon, Kiva c'est fait. Ah oui, il reste que ça, oui. Kiva c'est fait et bien fait. Et ça, c'est qui encore, ça? Le Bulungan. Enfin, c'est la révolte capitaliste, Bulungan. Vous êtes où? Vous êtes là-bas. Je
Peut-être proposer d'aider le Boulungan en... Oh, toute l'or que je construis là, ça m'aide bien ça. Alors, j'aimerais bien que cette loi sur les céréales, elle m'offre un meilleur... Putain, la loi sur les céréales, elle aura duré 2 semaines. Ah, folichong. 15% de chance, mais vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai peut-être eu un peu la main lourde sur la bureaucratie. Bon, au moins, ça m'a redonné un peu d'art. Ouais, ça va, j'ai 3 armées qui y sont. J'ai pas de problème. Alors, la Perse, est-ce que je peux pas te forcer à rejoindre ma guerre là? Non, attends, merde, pas qui va, je m'en fous qui va. C'est la Perse qui m'intéresse. Est-ce que ce petit truc me permet de participer ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Ok, je regagne des sous, mais en même temps, je construis pas, donc c'est pas fou. Alors, le marché. Qu'est-ce que ça dit au niveau des prix? Le café. Les fringues, il me faut des fringues. On va construire des fringues. Industrie de fringues. Voilà. T'avais plus de boulot, maintenant t'en as. Allez, hop. Ouais, je pense que malheureusement, même appeler la personne ne m'aide pas. Aïe, 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 aïe. Tous les objectifs de guerre nous visant seront adaptés. Heureusement, j'ai aucun objectif de guerre. Je pense que je vais m'arrêter là parce que quand même 43 minutes. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.